Salut, salut la famille, ici le Badman Zubabo et Pissol. Je me présente en tant qu'un artiste musicien congolais. Je suis dans la musique professionnelle, ça va faire maintenant, disons, 5 ans. C'est depuis 2015 que je me suis vraiment lancé en tant qu'un professionnel. J'ai commencé la musique en 2002, il y a vraiment longtemps, et j'ai eu le goût de faire la musique dans la partie est du pays, à Kalemi. S'il faut résumer tout ça en un seul mot, je vais dire que c'est un tremplin pour moi. D'abord, je commence par remercier Inos et toute son équipe. C'est vraiment des gens bien avec qui j'ai très bien travaillé. C'est parti de mon management qui a contacté son management. Et après, voilà, nous en tant qu'artistes, on a créé la chanson et c'est très bien parti, quoi. Le retomber, moi je vais dire d'abord, la chose importante que j'ai apprise aux côtés d'Inos, c'est le professionnalisme. Ça m'a ouvert les yeux de travailler avec lui. Je suis dans la vingtaine de chansons déjà sorties sur toutes les plateformes, parce que je veux dire que j'ai deux projets. Hashtag 5 et Zubabo Session avec quelques singles. Ma chanson préférée, c'est l'amour. J'adore la femme. J'ai vécu l'amour, je parle trop. Le secret, c'est derrière un grand travail d'équipe. J'ai appris à travailler en équipe avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Chapeau bas à la structure Popofilm qui travaille toujours sur mes vidéos, mes belles vidéos. Chapeau bas aussi à Zubabo Music qui est mon label indépendant. Donc voilà, le secret c'est le travail. Je pense que on est bien parti. La nouvelle génération est en train d'amener l'industrie à un autre niveau. Avec la venue de beaucoup d'artistes urbains qui font leur travail très bien. Je ne saurais pas tous les citer, mais je veux dire que la scène musicale congolaise urbaine va amener notre musique à un autre niveau. Non, plutôt j'en ai besoin. Tu sais, si les autres pays ils sont arrivés là où ils sont, c'est parce qu'il y a une bonne concurrence, en fait, la concurrence loyale. Et sans concurrence, je pense qu'on va stagner, on va rester à un même niveau. Alors, la concurrence, elle est très importante pour que les artistes puissent s'épanouir. Les vues YouTube, ça représente, si je peux le dire, l'unité des mesures par rapport à comment est-ce que ta fanbase est en train de grandir. Parce que c'est pas seulement le chiffre qui compte, mais personnellement, quand je regarde, il y a 2-3 millions de personnes qui regardent ma vidéo, je me dis, ok, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est dans quelle région est-ce que ma musique joue. Comme ça me permet de savoir si je suis sur une bonne route, quoi. J'ai des relations parfaites avec tous les artistes, les anciens et les nouveaux. En 10 ans, je pense que je serai en même de donner la force aux autres artistes. Et je pourrais
dire un mot à un nouveau artiste et qui m'écoute. Parce que je pense qu'en 10 ans, j'aurai une super expérience. Un petit mot pour la fin, je dis merci à Swank de Kinmoon, une plateforme avec une vision claire. Merci pour l'opportunité. Continuez à donner la force à la nouvelle génération. C'était Rio Badman, Zuba Ball, peace. Rio Badman, Zuba.